chaîne de MonkeyEDC. Alors aujourd'hui, on va parler ce soir pour finir le week-end en beauté. Enfin, le week-end, le lundi soir, journée de tournage en beauté. On va parler bien sûr de DC, puisque c'est le thème de la chaîne. Alors, ceci va être mon sac. Mon sac urbain, mon sac de déplacement et de visite urbaine. Ce week-end, je suis parti avec madame. On est allé visiter Annecy pour différentes choses, personnelles et peut-être professionnelles. Et donc, lors de la visite de d'Annecy, j'étais parti avec un sac à dos, un sac plutôt bandoulière que j'avais déjà, mais il me manquait un petit peu d'emport et d'organisation dans ce petit sac que j'avais pris poitrine. Et donc je m'étais dit qu'il fallait que je me fasse un sac spécial visite urbaine, en fait, un sac un peu sorti lorsque l'on visite les monuments. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi fait l'acquisition d'un nouveau trépied, un trépied beaucoup plus grand que celui que j'avais pour faire de la photo et de la vidéo. Et donc il me fallait aussi quelque chose pour pouvoir le glisser sur le côté, chose que vous verrez à la fin lors de la photo du fin ou de configuration du sac. Et j'étais ce matin tranquillement en train de faire les vidéos que vous avez pu déjà voir. Et le facteur a sonné à la porte et il m'a amené un colis. Alors, il m'a amené ceci. Ceci est un sac qui a été envoyé par Fred André de la chaîne YouTube Fred André, que vous connaissez, qui est l'acolyte du Barbu Celt. Un monsieur qui fait tourner sa chaîne autour surtout de l'Opinel et des couteaux de collection de l'Opinel. Et donc ce monsieur qui est aussi abonné, et je suis aussi abonné à sa chaîne, avait eu l'idée de vouloir m'envoyer un sac qu'il n'utilisait plus. Toujours dans le principe du partage et de l'échange. Donc il m'a envoyé ce sac. Et quelle fut ma surprise finalement de recevoir un sac Maxpédition. Donc un produit qui à première vue était en sa possession depuis quelques années mais qu'il n'utilisait pas plus, et comme il est comme moi pas partisan de laisser traîner les choses dans les placards, il a préféré en faire profiter quelqu'un d'autre, et pour cela je l'en remercie. Donc j'ai décidé de configurer ce sac pour pouvoir l'utiliser en sortie urbaine lors de mes périples en visite. Donc ce sac est un sac Maxpédition. Le modèle exactement, je ne pourrais pas vous le dire, je ne le connais pas. C'est un sac monobretelle qui est pour moi, je trouve, tout à fait parfait, puisqu'il fait à la fois le mélange du sac à dos et du sac besace que l'on peut transporter pour une sortie à la journée en mode urbain. Je l'ai configuré comment ? Bon, tout simplement ici, il m'a aussi envoyé un petit porte-monnaie Tasmania Tiger, donc que j'ai mis pour l'instant accroché à l'extérieur avec quelques pièces de monnaie. C'est surtout lorsque vous êtes sur les parcs-mètres et que vous avez besoin de mettre quelques pièces de monnaie, même si de plus en plus maintenant les parcs-mètres utilisent un paiement sans contact via les smartphones ou via la carte bleue. À la partie à l'arrière ici, donc dans ce système de bretelles, il y a une grande poche qui normalement aux États-Unis est une poche qui est utilisée pour, avec un système de velcro, qui est utilisée pour mettre les armes à feu. Donc ici, moi je n'ai pas d'armes à feu, donc j'y ai simplement mis un carnet bloc-notes que j'utilise assez régulièrement pour pouvoir apporter des annotations différentes, ça je vous en avais déjà parlé. Et j'y ai mis aussi dedans mon iPad que je transporte tout le temps avec moi maintenant pour des différentes consultations, visionnage de films, ainsi de suite. Voilà. À la partie donc à l'avant, donc sur le côté ici, on a une grande poche qui sert à mettre une gourde d'eau, ce qui est très utile lorsque vous êtes en déplacement urbain. On peut même y mettre une nageoire, le diamètre étant assez conséquent. Et aussi, donc, on peut aussi y glisser un pied de caméra, ce que je fais régulièrement.
À la partie à l'avant, on va avoir ici donc différents passants molles qui peuvent être utilisés. Moi, pour ma part, je l'évite de rapprocher trop de choses à l'extérieur, ce qui évite la convoitise. Une sortie, surtout le côté trop tactical. On a une petite pression ici de sécurité qui sécurise un petit peu la fermeture ici. Et dans la petite poche à l'avant, j'y ai mis donc un nouveau bouteille. Ça, je ne sors jamais sans un nouveau bouteille. On va retrouver des AirPods, une boîte de sucrètes pour le café. On va avoir du sucre, mais j'aime bien le goût de la sucrète. Des iPods, cette fois-ci Pro, pour le deuxième téléphone. Une boîte de bonbons rafraîchissants à la menthe. Et ça sera tout pour la partie arrière. L'avantage de cette poche, c'est qu'elle peut être ouverte comme ça, ou lorsque le sac est basculé en mode besace, il peut être aussi ouvert sur le côté pour accéder facilement aux objets qu'on a mis dedans. Même chose donc pour la deuxième grande poche ici, qui s'ouvre donc à 3/4. Où dedans, en fait, il y a un système de petits mousquetons où on peut accrocher des clés. Chose que j'ai faite, j'y ai accroché donc un dérouleur de clés, comme je fais d'habitude, avec les clés de la maison, et puis une petite nightcore tube. La classique, hein, celle que j'utilise tout le temps. On va y retrouver un paquet de Kleenex. J'utilise des AirPods, mais des fois, si j'ai plus de batterie des AirPods, je les utilise pour écouter la musique, mais aussi pour filmer des vidéos, ce qui est le cas là. Vous voyez, j'utilise des AirPods pour filmer des vidéos. Un casque filaire en format iPhone, dans le cas où je n'ai plus de batterie. On va retrouver une petite partie administrative avec un système. Alors, si vous voyez ici, il y a une poche à l'intérieur. Et là, ici, il y a une autre poche à l'intérieur où on peut glisser des documents. Elles sont en accès comme ça, diagonale, puisque lorsque le sac est touché, vous pouvez aussi y accéder comme ça, ce qui est très pratique. On va retrouver une lampe frontale. Pourquoi ? Lorsqu'on est allé à Annecy, en fait, on peut faire le tour du lac assez tard le soir, puisqu'il faisait quand même pas mauvais. Et donc, on utilise une partie des pistes cyclables et une partie des pistes piétonnes. Mais une bonne partie de ces pistes ne sont pas éclairées. Donc lorsque vous promenez le soir ou que vous revenez du restaurant, il est conseillé d'avoir un petit peu de lumière pour vous faire repérer, puisque vous pouvez vous faire embarquer rapidement par un vélo. Même si vous vous promenez au bord de piste, ils ont souvent tendance à rouler assez rapidement, surtout qu'ils utilisent tous des vélos électriques là-bas. Donc j'ai pris une lampe frontale. Là, on est sur la Petzl Mini, vu son encombrement et son autonomie, son efficacité, un super produit que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. Je ferai peut-être une revue dessus, mais bon, mes camarades l'ont déjà fait maintes fois. Allez voir Green Spider, ou je crois que d'ailleurs Fred André aussi a la même et en avait fait déjà une revue dessus. On va retrouver donc ici un petit port scratché, où l'on peut mettre donc un petit organisateur. Là, j'y ai mis donc un crayon gris pour faire des dessins, des croquis, un stylo pressurisé pour pouvoir écrire allongé lorsqu'on est sur l'herbe, et une petite lampe ici que j'amène avec moi, qui est juste une petite lampe en fait juste pour consulter l'intérieur du sac ou des choses comme ça. C'est plus en fait un dépannage pour donner à madame lorsque moi j'utilise la mienne, madame a celle-ci. On va avoir après ici l'accès à la grande poche. Donc ici à l'avant, vous avez des passants mouillés et vous pouvez y coller des moral patch et des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc ici à la grande poche, qui se fait comme ça, que l'on peut aussi ouvrir en forme zasse ou en forme droite au choix. Donc j'y ai mis bien sûr une boîte de cigares, parce que c'est toujours bon de profiter pour prendre un bon moment à la fin de mon repas. Un petit carnet de notes Moleskine. Téléphone de secours. Donc ici, la petite trousse, donc c'est la micro push donc de Maxpédition en fait. Celle-là, je l'avais déjà acheté avant d'avoir ce sac-là. Et j'étais justement en train de réfléchir comment j'allais pouvoir organiser ça. Donc cette micro que j'emporte avec moi, où dedans j'ai mon EDC, on la déballera après. Deuxième boîte à cigares, ceux-là ils sont plus gros. Un Sharpie,
toujours la même chose, important d'avoir un chapitre pour les diverses raisons que vous connaissez déjà tous. Ce petit outil qui est un tournevis, visseur, dévisseur pour les lunettes et ainsi de suite. Et une petite trousse de bobo logique que vous connaissez déjà. Donc dans la voiture j'ai la grosse trousse, mais là avec moi j'emporte toujours quelques pansements, des efferalgans, des petites compresses, des choses comme ça, vraiment quelque chose de très léger pour les petits bobos du quotidien. Et on a fini ici pour les deux poches qui se trouvent au fond. À la partie à l'avant, il y a aussi ici une grande poche, c'est dans laquelle était rangé le téléphone et le carnet. Et on a ici des poches filées avec une baguette qui fait tout le long. Dans ces poches filées, donc dans cette petite poche ici, j'y ai organisé, je ne sais pas si on va bien la voir, voilà, j'y ai organisé tout ce qui est le kit électrique, donc power bank, câble USB, tête de chargeur pour l'iPhone, support de petit téléphone pour regarder des vidéos, des choses comme ça. Câble iPhone spécialement aussi, power bank, enfin voilà, tout le nécessaire pour pouvoir se dépanner en termes de source d'énergie pour le téléphone, mais pas que pour le téléphone, aussi pour recharger les batteries des lampes que j'ai, donc style celle-ci ou celle que je porte sur moi lorsqu'on a besoin de recharger. Et dans la deuxième poche ici, enfiler simplement deux barres de céréales dans le cas où il y ait une petite faim lorsqu'on est en train de marcher et qu'on oublie l'heure du repas. Ça nous arrive souvent. Au fond, une petite power bank. Celle-là, elle est beaucoup plus petite. Elle sert plus à madame qu'à moi. C'est vraiment parce que des fois, elle a besoin de recharger son téléphone. C'est pour ça que je lui prête celle-ci en attendant. Et moi, j'ai la mienne qui est beaucoup plus grosse, qui est celle-ci que vous connaissez déjà. Voilà ce que je porte ici dans ce petit sac pour une sortie à la journée, pour pouvoir au quotidien avec madame subvenir aux quelques petites nécessités. Dans cette petite poche, j'avais oublié ceci, c'est simplement une petite lame fine. C'est plutôt une lame cutter que j'utilise si je n'ai pas de cutter sur moi, si le Gerber comme j'utilise d'habitude ou des genres là. Cette petite lame est vraiment faite pour faire des découpes très précises lorsque vous avez besoin de faire des découpes. Et ça, ça arrive assez souvent. Dans la poche ici, Maxpédition, la micro. On va retrouver plus tout ce qui est le DC technique entre guillemets. Donc un Swiss Tool, le Swiss Champs. Pourquoi s'embêter, autant prendre le plus complet. Au moins comme ça on a accès à tout. Un Opinel, vous savez toujours que dans mes sacs il y a toujours des Opinels. Là on est sur un petit Opinel numéro 7, les plus classiques en laminox. Un aiguiseur Swiss, Victorinox, pour pouvoir aiguiser les couteaux, et aussi le couteau que je porte sur moi, puisque je porte toujours sur moi un Victorinox petit gabarit et une lame de couteau. Des piles qui sont nécessaires pour les lampes, si je n'ai pas des lampes à recharge, que j'ai des lampes à piles, donc des triple A et des double A, puisque j'utilise les deux types de piles. Un briquet de secours, toujours utile d'avoir un briquet de secours. Ici, une petite carte, comme vous connaissez, avec du duct tape. Ce sont des choses qui sont connues et reconnues depuis le temps. Hein. C'est toujours, on voit à peu près toujours les mêmes choses sur les vidéos, mais c'est parce que en fait, c'est vraiment utile au quotidien d'avoir toutes ces petites choses-là au quotidien. Ça peut dépanner. Et ici, toujours une Nightcore Thumb, je crois celle-ci. Donc Nightcore qui a la particularité, celle-ci. C'est pour ça que je l'ai mise là. C'est qu'elle permet de pouvoir être basculée à l'avant. Ce qui vous permet tout à fait, maintenant que j'ai ce sac, si je désire, de glisser par le petit passant la lampe ici, pour pouvoir éclairer face à moi lorsque je marche, ou me faire remarquer si je le mets en mode stroboscope.
qui est pratique. Voilà donc comment est configuré ce sac, comment je l'ai configuré pour mes sorties urbaines à la journée et maintenant que l'hiver arrive, les nuits tombent de plus en plus tôt. C'est pour ça que j'ai aussi des lampes. Donc on profite quand même de la soirée pour sortir. Donc lorsqu'on était par exemple à Annecy, on en a profité le soir pour sortir manger une planche de fromage, puisque les spécialités savoyardes de fromage nous sont bien reconnues, et pour boire une bonne bière. Donc, lorsqu'on est rentré le soir, avoir une source de lumière, c'est super important. Et donc, voici une vue d'ensemble de tout ce qui est transporté dans ce sac. Tout ce que je peux utiliser sur une sortie à la journée, lorsqu'on est en visite urbaine dans une ville que l'on ne connaît pas et où on a besoin de pouvoir circuler pour la journée. Je vous remercie du visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, positif, négatif, tant que vous expliquez pourquoi c'est constructif et il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous. Au revoir.